Thank you. Welcome Thank back. You. J'ai amélioré mon anglais. J'avais fait des progrès. Donc là, le welcome back était... Ah ben, il est irréprochable. Voilà. Oui, c'est vrai que je me souviens qu'avec Lady Gaga, il y avait un petit échange sympa. Bon. Votre absence hier, il s'est moqué. Grave. Ah ben voilà, ça ne pouvait pas passer comme ça. Hier soir, Anne-Sophie, pendant que vous vous coltiniez d'interminables débats sur l'immigration à mots croisés, ici, ma foi, on ripaillait gaiement autour d'un nombril aux truffes en se disant que tout compte fait, cette crise, on en parle beaucoup depuis 2008, mais on ne la voit pas venir, hein, cette crise ici. Une douce insouciance qui fera tout à l'heure l'objet d'un magnéto intitulé « Les rois du monde vous saluent », dans lequel vous découvrirez que le budget que les gens normaux consacrent normalement à l'achat d'une voiture, Pierre Lescure le consacre, lui, à l'achat d'un tricot de peau qu'il fait fabriquer en Suisse, de haut de gamme, nous verrons ça tout à l'heure. Oh. Mais Pierre, ce n'est pas qu'un dandy. Ces tricots de peau, hein. Ce n'est pas qu'un dandy prêt à aligner des sommes folles pour le confort de sa peau, c'est comment avant tout un chroniqueur si intarissable. C'est bien simple, chaque star qu'on reçoit, ça lui évoque un souvenir, chaque invité l'inspire. Sauf Mireille Mathieu. Là, bizarrement, ça ne lui a rien inspiré à Pierre. Il y en avait une journée, c'est pas nouveau. Une journée chargée avec Lady Gaga. Quand j'ai débuté à la radio, à Radio Monte Carlo... Pardon ? Pierre Lescure présente Souvenir de l'ORP. Quand j'ai débuté à la radio, à Radio Monte Carlo, elle était toujours là. Ouais. Et j'avais déjà rien à lui dire. Voilà. Et voilà, c'était Souvenir minimaliste de l'ORTF avec Pierre Lescure. Oh, tout oh mon Dieu. Je n'ai rien à ajouter. Voilà. En quelque chose en anglais, peut-être. Mathieu, d'ici à tout à l'heure, si vous pouvez. Oui, oui, je vais essayer de compléter tout ça, mais j'ai trop de retard. Voilà, les modèles, c'est vrai, pour en parler, mais il y a beaucoup de choses à piocher dans cette Bible des bonnes manières. Merci beaucoup, Mathieu.